Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de comptabilité approfondie. Je vais vous parler de provisions réglementées. En particulier, nous allons commencer par voir ce que c'est qu'une provision, le définir par rapport à la notion de passif de dette. Nous verrons une catégorie importante des provisions réglementées, à savoir les amortissements dérogatoires, mais j'insisterai pas trop dessus puisqu'une autre vidéo est consacrée aux amortissements et entre autres aux amortissements dérogatoires. On verra les comptes qui s'appellent vraiment provisions. Et puis, on terminera par un exercice d'application. Et l'idée de cet exercice d'application est de vous montrer un petit peu le type de questions qu'on peut vous poser en évaluation. Un petit jingle, je vous laisse vous installer et on commence. Alors, commençons par définir ce qu'il faut savoir sur la notion sur les provisions réglementées. Alors, il faut savoir que c'est une dénomination trompeuse. C'est-à-dire qu'en fait, une provision réglementée ne correspond pas à la définition d'une provision. Donc, la terminologie, déjà, peut être trompeuse. Ça résulte de quoi? Ça résulte du fait que cette catégorie, cette catégorie de compte, a été créée du fait d'un lien fort en France entre la fiscalité et la comptabilité. Et de ce lien fort entre comptabilité et fiscalité, il a fallu trouver comment l'intégrer dans la réglementation comptable dès lors que le plan comptable général est devenu d'application obligatoire, c'est-à-dire en 1982. C'est donc une catégorie qui est née avec le fait que le PCG de 1982 était obligatoire. Alors, on va partir sur la base. On a une comptabilité et dans notre comptabilité, on établit des états financiers de synthèse, dont le compte de résultat. Ce n'est pas la seule chose qui nous intéresse, mais pour l'exemple, c'est ce que je vais prendre. Et donc, cette comptabilité va nous permettre de définir un résultat comptable. Et cette comptabilité va être ensuite la base du compte de résultat en fiscalité. Et donc, en fiscalité, on se base sur ce résultat comptable pour établir le résultat fiscal. Hein, on part du résultat comptable et on va faire des déductions ou des réintégrations pour obtenir le résultat fiscal, c'est-à-dire le résultat imposable. Il faut savoir qu'on a d'un côté donc la fiscalité avec ce résultat fiscal qui est basé sur un résultat comptable et on n'a pas de charge purement fiscale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles charges en fiscalité. Et donc, si une charge n'est pas enregistrée en comptabilité, elle ne peut pas être prise en compte en fiscalité. C'est de là que vient ce lien entre fiscalité et comptabilité. On dit que, en fait, c'est pas on dit, c'est la fiscalité s'aligne sur la comptabilité. Le droit fiscal se base sur le droit comptable. Après, les pratiques comptables sont inspirées des conséquences fiscales. Ça, c'est une certitude. Mais en termes de réglementation et en termes de fonctionnement, la fiscalité s'aligne sur la comptabilité. Et la problématique est que, d'un côté, on a la comptabilité qui est réglementée par le droit comptable, qui, entre autres, est élaborée par l'autorité des normes comptables, l'ANC, hein, et qui résulte de plusieurs ministères et qui fait évoluer de façon continue, on va dire, la comptabilité. Et de l'autre côté, on a la fiscalité qui est réglementée donc par le droit fiscal, sauf que le droit fiscal subit une évolution permanente, enfin on va dire annuelle, avec la loi de finances. Loi de finances en plus qui résulte d'un goût de décision politique, ce qui n'est pas du tout le cas du droit comptable. Hein, le droit comptable est complètement apolitique, alors que le droit fiscal, il dépend d'une politique économique, d'une politique fiscale et dépend du pouvoir en question et des modes de gouvernement. Donc cette dissociation de sources de droit d'influence fait qu'on a des divergences entre la comptabilité et la fiscalité. Ces divergences et le fait que pour avoir une charge déductible en fiscalité, il faut qu'elle soit enregistrée en comptabilité, a imposé la création d'une catégorie spécifique permettant d'intégrer dans la comptabilité cet état de fait. Si on prend du coup le bilan, eh bien on a créé au sein du bilan un espace dans lequel on indique uniquement les écritures prises en considération de ce lien entre comptabilité
et fiscalité. Il s'agit donc des provisions réglementées qui situent entre, enfin, qui fait partie en fait des capitaux propres, mais qui situent entre la partie capitaux propres et la partie dette. Hein, ce n'est pas des provisions qui situent encore en dessous. Et donc l'idée, c'est d'identifier dans les états financiers d'entreprise les opérations comptables qui n'ont comme justification que la prise en compte des réglementations fiscales successives. Comment ça fonctionne point de vue comptabilisation? Et c'est pour ça en fait qu'on a pris la dénomination provision, c'est similaire en fait à une dotation, à une reprise, que ce soit d'une provision ou d'un amortissement. Donc le schéma d'écriture, si vous êtes au niveau comptabilité approfondie, vous le connaissez déjà. On a soit une dotation en provision, c'est un compte de dotation 680, un compte de provision, donc les comptes de provision réglementés, c'est dans les comptes 14. Une petite chose à savoir néanmoins, cette dotation, elle a le caractère exceptionnel, donc ce sera le compte 687, dotation en provision en charge exceptionnelle. Et on a de la même façon une écriture de reprise, où cette fois-ci, on va débiter compte de provision, compte 14, et on va passer une écriture de reprise, et on retrouve ce caractère exceptionnel ici avec le 787. Parlons maintenant rapidement, parce que j'ai dit qu'il y a une autre vidéo, des amortissements dérogatoires. Et en fait, ce n'est pas des amortissements non plus. Donc les amortissements dérogatoires, l'amortissement dérogatoire fait partie intégrante des provisions réglementées et ce n'est ni un amortissement ni une provision. L'amortissement dérogatoire résulte d'une différence entre l'amortissement qui est calculé en comptabilité et celui qui est autorisé en fiscalité. Ce qui se passe, c'est que l'amortissement fiscal résultant d'outils de politique économique, d'incitation économique, va pouvoir être parfois supérieur à l'amortissement calculé normalement en comptabilité. Donc la charge fiscale déductible est en théorie plus importante que la charge comptable. Sauf que fiscalement, la charge déductible est uniquement, au maximum, la charge enregistrée en comptabilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer la charge d'amortissement en comptabilité, comptable, opération tout à fait classique, et le surplus qui est autorisé par la fiscalité, on va le comptabiliser dans cette notion d'amortissement dérogatoire, de provision réglementée, pour pouvoir bénéficier de l'allègement fiscal. Alors, de quoi résultent les différences entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal? On parle aussi d'amortissement économique. Les différents cas, alors il existe en fonction de la loi de finances des amortissements fiscaux exceptionnels. Il fut un temps par exemple où les logiciels, il était autorisé fiscalement de les amortir sur 12 mois. Donc il en existe de moins en moins, dirons-nous, des amortissements fiscaux exceptionnels, il n'en existe plus actuellement. Mais comme ça dépend de la loi de finances annuelle, bah, c'est quelque chose qui peut revenir. Hein, l'idée pour l'État est d'inciter les entreprises à investir dans un secteur particulier ou d'aider les entreprises à investir dans un secteur particulier et ainsi d'orienter la vie économique. Donc il faut savoir que souvent quand même ces amortissements par exemple fiscaux exceptionnels, ce n'est pas vraiment une aide, ce n'est pas une réduction d'impôts, c'est surtout un décalage, donc c'est plus un apport de trésorerie que, une économie d'impôts. Exemple, d'autres cas où il y a des divergences et qui justifient l'apparition d'un amortissement dérogatoire, c'est lorsqu'on a une divergence sur la base amortissable, la base d'amortissement. Dans la comptabilité, la base amortissable, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Il faut savoir, pour le fisc, la base amortissable, c'est forcément la valeur d'origine. La valeur résiduelle n'est pas acceptée. Donc, comme on va amortir sur une valeur plus importante, eh bien, la charge déductible sera plus importante, d'où l'existence d'un amortissement dérogatoire. Troisième possibilité, il peut y avoir des divergences sur la durée d'amortissement. En comptabilité, on va retenir la durée d'utilisation du bien. Et cette durée d'utilisation du bien, elle est identifiée par rapport parfois à des modes d'emploi ou des notices de machine-outil où le fabricant dit bah, ça va durer tant de temps. Alors qu'en fiscalité, on se base sur des durées d'usage. Durée d'usage qui ont été définies par le fisc suite à un rapport ministériel de 1980. Donc là, dans les années 2020, de 1980, les choses ont un peu évolué, les durées d'usage, non. Donc il peut y avoir des décalages entre durée d'utilisation
et durée d'usage. Et enfin, dernière différence, c'est sur les modes d'amortissement. Il faut savoir qu'en comptabilité, le mode d'amortissement le plus courant, c'est le mode d'amortissement constant ou par unité d'œuvre. C'est rarement le mode décroissant. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'objectif d'un amortissement est de retranscrire la perte de valeur d'un bien. Et il est quand même difficile de justifier le mode de calcul de l'amortissement décroissant, hein, qui est une partie de la valeur nette comptable, dans une dépréciation réelle, une perte de valeur irréversible réelle d'une immobilisation. Donc souvent, on est en constant et en unité d'œuvre. En fiscalité, depuis des années, on a deux modes d'amortissement qui sont acceptés. L'amortissement linéaire pour tout type de bien, même d'occasion, et l'amortissement dégressif pour les biens qui sont neufs et qui ont une durée de vie au moins supérieure à 3 ans. Avec, en plus, sur cette définition des modes d'amortissement, des règles de prorata qui sont bien définies par le fisc, qui n'est pas le cas en comptabilité, où ça va être des décisions de gestion de modes d'amortissement. Donc on peut retrouver comme ça des divergences entre les modes d'amortissement, et toute divergence peut conduire, hein, c'est un choix de l'entreprise, mais peut conduire à la comptabilisation d'amortissement dérogatoire. Autre possibilité qu'on a, une particularité qu'on a, c'est l'amortissement des frais d'acquisition de titres de participation. Donc ça rentre dans la catégorie amortissement dérogatoire. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser un compte qui existait déjà et pas en créer un nouveau. Il faut savoir que lorsqu'on comptabilise, lorsqu'on enregistre l'acquisition de titres de participation, on a deux méthodes pour la prise en compte des frais d'acquisition. Première possibilité, ces frais d'acquisition sont comptabilisés en charge, et donc la charge est déductible fiscalement. Donc sur 5 ans, pas de souci, hein, on va étaler la charge sur 5 ans. Mais on a aussi la possibilité d'intégrer ces frais d'acquisition au coût d'acquisition. Et donc dans ce cas-là, ben, en comptabilité, sur ces frais d'acquisition qui sont immobilisés, il n'y a pas de charge. Donc comme il n'y a pas de charge, on ne peut pas bénéficier fiscalement du fait que des charges déductibles. Donc pour cela, pour bénéficier de la déductibilité des charges, c'est-à-dire des frais d'acquisition sur 5 ans, on va passer une écriture de dotation aux amortissements dérogatoires sur 5 ans pour pouvoir bénéficier de la déductibilité fiscale. Parlons donc maintenant à proprement parler des provisions réglementaires. Alors pourquoi on appelle ça à proprement parler? Parce que la dénomination des comptes, ça commence par provision. Donc c'est les comptes 140, on a dit. Et donc si vous regardez sur votre plan de compte, il en existe actuellement un certain nombre. Sauf que ces provisions réglementées dépendant d'une loi de finances annuelle, eh bien en fonction des lois de finances, on en crée des nouvelles ou on en supprime. Donc à l'heure actuelle, il en existe plus que deux. Donc on va voir les deux qui restent. Première provision qui existe, c'est le compte, alors je reprends mon plan de compte en même temps, on est dans les provisions réglementées relatives au stock, donc 143, et là vous regardez, il y en a deux, mais il n'y en a plus qu'une qui existe, c'est la 143.1, provision réglementée pour hausse des prix. Alors, en quoi ça consiste? Il s'agit en fait de protéger l'économie, on va dire ça comme ça, puisqu'on sait que le risque de l'inflation, c'est qu'on aboutisse à un cercle vicieux, c'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'elles achètent ou lorsqu'elles ont quelque chose qui a augmenté les prix, eh bien, elles retranscrivent immédiatement cette hausse des prix sans prendre le temps du temps d'exploitation, du cycle d'exploitation. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on refuse en comptabilité l'utilisation de la gestion des stocks, qui est la méthode LIFO, Last In, First Out, qui est très inflationniste. Donc cette dotation pour hausse des prix, elle a pour objectif de compenser les hausses de prix subies par les entreprises. Alors, ça, on réglemente, hein, donc on est sur des biens en stock, hein, puisqu'on est dans la catégorie provision réglementée sur stock, et donc il s'agit d'avoir une dotation d'une partie de la hausse des prix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir provisionner une partie de la hausse des prix. Alors comment ça fonctionne? On va dans un premier temps regarder si on a une augmentation des prix supérieure à 10%, soit l'année d'avant, soit les deux années d'avant, hein, soit sur un an, soit sur deux ans. Et donc dans ce cas-là, on aura la possibilité de provisionner la hausse des prix qui se situe au-delà des 10%.
Alors, je vais essayer de vous expliquer, et puis évidemment, je vous propose un exercice pour voir avec des cas corrélés, des cas chiffrés. La hausse des prix, si elle est supérieure à 10%, on a dit, elle donne lieu à provision. Donc, on a trois cas de figure. Premier cas de figure, la hausse annuelle, donc d'une année sur l'autre, est supérieure à 10%. Donc, on fait une dotation qui correspond à l'augmentation des prix au-delà des 10%. Deuxième cas, la hausse annuelle est inférieure à 10%, mais sur 2 ans, la hausse est supérieure à 10%. Donc, dans ce cas-là, on fait une dotation qui correspond à l'augmentation des prix au-delà des 10% par rapport à 2 ans. Et troisième cas de figure, la hausse annuelle était inférieure à 10% sur l'année qui vient de se passer et sur les 2 années antérieures. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de dotation. Il faut savoir que cette dotation, cette charge, en fait, conduit à une économie d'impôt, mais temporaire, puisque au bout de 6 ans, il faudra reprendre cette dotation pour hausse de prix. Donc, ce n'est qu'une économie d'impôt provisoire. Et puis, dernière chose à savoir, hein, sur des très très grosses entreprises, le plafond maximum de la provision, hein, à l'heure actuelle est de 15 millions d'euros. Donc, on va quand même limiter le montant de l'économie d'impôt et le montant de l'aide à la trésorerie. Deuxième provision, c'est la provision pour frais d'installation à d'anciens salariés. On appelle ça aussi une provision pour essaimage. Donc, essaimage, c'est la notion d'essaim en fait. C'est-à-dire que des fois, vous avez des essaims qui se dédoublent. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'inciter en fait à la création d'entreprise et à l'aide à la création d'entreprise des salariés. Hein, c'est ce qu'on appelle l'essaimage ou l'intrapreneuriat, un petit peu comme ça. Et donc certaines entreprises incitent leurs salariés à créer des nouvelles idées et à développer leur propre emploi, leur propre entreprise. Et donc le fait d'aider ces salariés et que ça coûte de l'argent, eh bien en fait, c'est provisionné, c'est aidé par l'État, incité, aidé par l'État. Donc, les entreprises ont plusieurs possibilités pour aider leurs salariés à créer leur propre entreprise. Ils peuvent leur faire des prêts. Et donc, dans ce cas-là, elles ont droit à une provision de 50% du montant des prêts. Et puis, elles peuvent aussi souscrire au capital, c'est-à-dire que financer en fait le capital de l'entreprise qui est créé par les salariés. Et donc, dans ce cas-là, elles peuvent provisionner 75% du montant des souscriptions qu'elles ont fait en capital. Encore une fois, cette aide, entre guillemets, elle est transitoire puisqu'il faudra reprendre cette provision par tiers à partir de la 5e année. Donc, on va aider. On aura donc cette provision pendant 5 ans et au-delà de 5 ans, on aura 3 ans pour reprendre cette provision pour SMH. Bon, alors tout ça, c'est bien joli. Mais qu'est-ce que vous devez être capable de faire en termes d'analyse de situation et d'exercice? Voici donc l'exercice que je vous propose. Donc, depuis de nombreuses années, la société Mécanis comptabilise une provision pour hausse des prix, car en fait, le prix de ces matières premières qui est stratégique peut augmenter de manière importante. Au 1er janvier N-1, il faut savoir qu'il existe une provision pour hausse des prix dans l'entreprise de 35 000 euros à son bilan. Ces 35 000 euros, c'était en fait 15 000 qui ont été dotés en N-3 et 20 000 qui ont été dotés en N-6. On vous donne les informations concernant les stocks et les prix des matières premières en question sur N-3, N-2, N-1 et N. Et donc, je vous pose trois questions. 1. Calculer la dotation et la provision pour hausse des prix au 31-12N. Et vous allez voir, en correction, je vais un petit peu au-delà. 2. Comptabiliser les écritures nécessaires au 31-12N. Et puis 3, parce que ça fait partie des questions et des choses que vous devez savoir, présenter les informations à faire figurer en annexe. Je vous laisse noter l'énoncé. Vous pouvez faire pause, faire l'exercice et on se retrouve juste après. Donc, je pars de l'idée que vous avez été sérieux, que vous avez essayé de faire. Je vous rappelle qu'en comptabilité, regarder la correction d'un exercice ne suffit pas pour apprendre à le faire. Il faut vraiment que vous arriviez en autonomie à faire les exercices tout seul. Donc, la première question, c'est de déterminer la provision en N. Et avant de déterminer la provision N, on va repartir quand même sur N-1, parce qu'a priori, en N-1, on n'a pas eu de provision, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, pas de provision N-1, on va repartir de l'énoncé. Voilà. Et on va identifier, on va calculer les variations de prix d'une période pour l'autre pour voir s'il était justifié de ne pas passer de provision en N-1. Donc, si on regarde. Entre N-3 et N-2, on avait une augmentation de 72%. Et entre N-2 et N, plus 5,26%. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est entre N-2 et N-1. On a donc une augmentation qui est inférieure
à 10%. Donc a priori, pas de dotation. Mais avant d'aller plus loin, il faut aussi vérifier que la variation de n-3 à n-1 est elle aussi inférieure à 10%. Donc ici, plus 8,10%, c'est aussi le cas. Alors pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait, si on garde entre n-3 et n-2, ça augmente de 10 euros. Et donc je rapporte ça à la donnée de départ, donc divisé par 370, et c'est là que vous allez trouver le 2,72%, et on fait ça à chaque fois. Pour la situation en n, on va donc comparer n-1 par rapport à n. Et donc là, on a plus 12,5%, on a donc une augmentation des prix de plus de 10%, donc on va faire une dotation. Avant de déterminer le montant de la dotation, on va cependant calculer la variation sur 2 ans. Et là, on regarde, sur 2 ans, l'augmentation des prix est de 18,40%. On va donc travailler sur le plus élevé des deux, donc le 18,40%. Donc, si on avait eu moins sur 2 ans, on serait resté entre n-1 et n, mais ici, comme n-2 et n, c'est supérieur en variation que le 12,5% entre n-1 et n, avec tous les n, je ne sais pas si vous en sortez. Donc là, on a plus, donc on prend le plus élevé entre le taux de variation en 1 an ou en 2 ans. Donc ici, 2 ans. On va donc calculer la provision. La provision, c'est donc l'augmentation du cours qui est au-delà de l'augmentation des 10%. Donc, je vous montre le calcul. On va donc calculer la différence entre 450 euros, qui est le prix actuel, et 380 euros, puisqu'on est sur 2 ans, augmenté de 10%. Donc ici, 450 moins 380, augmenté 10%, donc fois 1,1. Et évidemment, on va rapporter ça aux quantités. Hein, ici, 1 200 euros les quantités. Et donc, on détermine qu'il nous faut une dotation aux provisions de 38 400. Donc après, normalement, ça se découle beaucoup plus facilement. Attention, il y a deux choses ici. Il ne faut pas oublier de reprendre la provision qui est antérieure de plus de 6 ans. Donc ici, j'avais une provision de n-6 de 20 000. Je dois donc reprendre la provision de n-6 de 20 000. Et puis, doter la provision annuelle qu'on vient de calculer. Provision annuelle qui est donc d'un montant de 38 400. Dernière étape, dernière question, quelles sont les informations à fournir en annexe de façon générale, que ce soit sur les amortissements, les provisions, les dépréciations et donc les provisions réglementées? Il s'agit de faire un suivi de la provision. Pour ça, on retrouve toujours le même type de tableau en annexe que je vous mets ici avec tout rempli. On va donc indiquer le montant à l'ouverture. Donc ici, on me dit nos bilans, j'ai 35 000 euros. On va indiquer les augmentations, c'est-à-dire en fait ici les dotation. Donc ici, j'ai une dotation de 38 400. Les diminutions, il s'agit donc des reprises. J'ai donc fait une reprise de 20 000. Et on en déduit le montant actuel, c'est-à-dire en fin d'exercice. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme à chaque fois, je ne sais pas comment conclure. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau si vous avez des difficultés. Vous pouvez bien évidemment me poser des questions en commentaire. Je publie des vidéos régulièrement, donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis vous pouvez bien évidemment partager, commenter. Allez, je vous souhaite surtout bon courage, bon apprentissage et on se retrouve à très vite.